Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de regarder ensemble comment j'ai organisé mes boîtes, les deux boîtes, pour contenir l'intégralité de ce qui est sorti de Marvel Champions à ce jour, Ant-Man compris. Alors j'avais déjà fait une vidéo de mon ancien rangement, je vous mets le lien juste ici pour ceux qui veulent comparer. Et donc, comme il y a eu pas mal de nouveaux arrivés, et pas mal de choses qui ont été introduites dans ces boîtes, voilà, dont des choses imprimées en 3D. Donc, je vais donc vous montrer ma nouvelle façon de ranger l'intégralité dans ces deux boîtes-là. Alors, on a des gens qui ont créé qui ont surtout acheté souvent des boîtes, vous savez, des grosses boîtes où tu peux contenir 2000 ou 3000 cartes. Et moi, en fait, je voulais. Déjà, ça vaut cher. Je crois qu'on peut se les trouver, on peut se les procurer dans les 40 à 50 euros. Les boîtes, en général, c'est assez cher. Bon, on peut en trouver peut-être dans les 30 euros, je ne sais pas. Mais moi, je voulais garder les deux boîtes et pouvoir agencer et pouvoir stocker l'intégralité. D'ailleurs, il reste encore un petit peu de place. Pas pour longtemps, d'ailleurs. Parce que là, ça va devenir serré. Ça va devenir serré. On a hâte qu'une nouvelle boîte sorte, dont la boîte avec les gardiens de la galaxie. Je pense qu'elle sera de ce format-là, du format de l'avènement du crâne rouge. Et du coup, ça fera une autre boîte en plus à ranger. On aura trois boîtes. Ça va être. Voilà. Donc, je vous propose de voir ensemble le rangement que j'ai fait. Alors, on va commencer par ma boîte de l'avènement de crâne rouge. Alors, voilà. L'avènement de crâne rouge, dans laquelle il y a principalement, donc, dans la logique, hein, qu'est-ce que vous auriez mis dedans, vous? Eh bien, il y a les méchants. Voilà. Alors, il y a la notice. Voilà, toujours. Très important. Le petit carton blanc, très important de le garder. Ça garde la notice en bon état, ça garde tout bien plaqué. J'aime bien, je préfère tout. C'est tout con, mais ça le garde bien plaqué. Voilà. Alors, le rangement. Alors, ici, je me suis fait une petite boîte. Alors, je ne sais plus si cette boîte, je l'avais avant. Je crois que je l'avais mis dans des sachets. À l'époque, je l'avais mis dans des sachets dans la boîte de base. Donc, ce sont les petits jetons en bulle d'époxy. Voilà, en bulle d'époxy avec, bien sûr, le fameux design de notre ami Stéphane Jarny, que je remercie encore, hein, que l'on remercie tous pour son investissement dans Marvel Champions. Il fait des trucs vraiment magnifiques. Voilà, donc ça, ce sont les petits jetons pour les drones d'Ultron. Voilà, très intéressant à jouer. Ensuite, ici, je me suis mis mes petits chevalets. Donc, pour ceux qui me suivent et qui voient un peu, qui connaissent mes vidéos, ils savent que mes petits chevalets me servent beaucoup en jeu. Et que c'est très très sympa de pouvoir poser. Ça fait des petits standees, hein, au final. Donc voilà, donc mes petits chevalets. Ensuite, alors comment j'ai organisé ma boîte? Voilà. Alors j'ai fait des petits inserts en 3D, voilà, donc pour ranger la boîte. Donc ça c'est facilement trouvable. Je vous mettrai les liens dans la description ci-dessous pour vous imprimer les rangements, donc l'insert complet en 3D pour la boîte de l'avènement de crâne rouge. Elle est donc en deux parties, hein, c'est deux parties égales. Alors, sur le côté gauche, il y a tous les méchants. Voilà, il y a Formule Mutagène, Entreprise à risque, pardon. Rhino, Klaue, Ultron, le démolisseur, le boulet, le compresseur, le bulldozer, qui sont donc les démolisseurs, le Zola, Taskmaster, Crossbone, l'homme absorbant et Crâne Rouge. Voilà, donc là, on est à ras bord quasiment. Si je sers et que je mets un autre deck ici, j'ai plus de place. J'ai essayé de mettre un autre deck ici, mais ça sert vraiment tellement, vous voyez? Ça sert vraiment tellement que j'ai pas la, on n'a plus la place après pour rattraper. Donc je préfère avoir un peu de mou. Et du coup, j'ai transféré dans une autre cellule notre très cher ami Kang le Conquérant. Alors la seule chose que j'ai pas faite pour le moment. Je vais faire ça par la suite. Il faut juste que je me retrouve des. Faut que j'aille me racheter des feuilles à plastifier. C'est donc l'intercalaire pour Crâne Rouge. J'ai mis l'intercalaire pour Fanatic Cri.
hein, que j'ai imprimé l'intercalaire, mais j'ai jamais eu le deck, hein, de lui. Donc je l'ai mis pour Kang le Conquérant, je sais que c'est Kang le Conquérant, et du coup je n'ai pas non plus pu imprimer pour le moment, je vais faire ça incessamment sous peu pour les sets de rencontres. Donc voici ensuite, donc on a Kang le Conquérant, il a un sacré deck hein, quand même le coco. Surtout sleevé, ça prend encore plus de place. Oui, alors donc j'ai pas précisé, donc c'est vraiment pour. Là, moi j'ai sleevé toutes mes cartes, donc c'est vraiment. Pouvoir rentrer toutes les cartes sleevées. Donc là, c'est. Voilà, va falloir vraiment une autre boîte parce que là, ça va commencer à devenir serré. Ici, donc on a donc Kang le Conquérant. Et ensuite, on a les trois sets de rencontres de Kang le Conquérant. Donc on a donc le Maître du Temps. Ici, ce sont les Anachronautes. Et là, c'est Temporel. Voilà. Et ensuite, on a donc le mode expert, le mode standard et tous les autres sets de rencontres. Voilà. Donc voilà comment j'ai organisé cette boîte-là. Très simplement. Hein, je pense que c'est la. Enfin, voilà, je pense que la plupart ont dû faire comme moi. Je pense que la plupart ont dû faire comme moi. Ça me semble plus logique. C'est-à-dire mettre les méchants dans la boîte de crâne rouge. Et pour ceux qui ont l'intégralité, je parle. Et ensuite enfin voilà quoi. Et le reste dans la boîte de base. Voilà donc ça c'était pour la boîte de crâne rouge. On va faire un survol rapide. Hein. Je ne vais pas vous bassiner pendant des heures. C'est juste pour vous montrer. Et voilà. N'hésitez pas à me dire vous comment vous avez procédé vous. Si vous avez trouvé une meilleure méthode que ça m'intéresse. Et donc on va passer à la boîte de base. Alors on va monter un tout petit peu pour la boîte de base. C'est un tout petit peu plus grande. Voilà. Alors dans la boîte de base, eh ben, il y a le reste. Mais il y a des petits ajouts, dont des petites choses imprimées en 3D. Alors, on a. Alors, autant vous dire, je vais vous montrer à la fin combien. Elles sont très très lourdes. Elles sont très très lourdes. Voilà. Alors j'ai mon petit. J'ai mon petit tapis de. Mon petit dashboard pour le héros. Pareil, ceux qui suivent mes vidéos savent que je joue avec. Et que c'est très pratique. Il faut juste que. La seule chose qu'il faudra que je fasse par la suite, peut-être, c'est d'inverser soutien et alliés. Ça paraît plus logique que les alliés soient au-dessus. Mais bon, ça va, ça me sert quand même. Au niveau visuel, on est bien. Voilà, le guide de référence. Voilà. Et la règle du jeu, je l'ai, mais en dessous de tout ça. Ici, comment j'ai organisé ça? Alors, oui, vous pouvez voir, il y a un sacré insert 3D. Il est magnifique. Il est magnifique, je l'ai imprimé en 3D et je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment un top du top, cet insert 3D. Je ne sais même pas comment le mec s'est pris la tête à faire ça. C'est trop bien. Je vous mets tout ça dans la description, évidemment, pour ceux qui veulent imprimer ça en 3D. Alors, comment j'ai organisé ça? Ici, nous avons. Toutes, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça va commencer à devenir serré. Chut, on va se descendre un petit peu la cam. Chut, voilà. Tu me fais le point. Correctement. Parfait. On a ici toutes les affinités. Alors ici, on a toutes les affinités. L'affinité agressivité, l'affinité justice, commandement. D'accord? Ensuite, on a la protection et basique. Donc de ce côté-là, on a toutes les affinités. Alors il nous reste un petit peu d'espace ici. Mais il va falloir que. Parce que là, ça gonfle. Hein, ça gonfle. Hein. Là, du coup, j'ai mis Ant-Man dedans. Regardez, vous voyez ça là? Là, c'est blindé. Là, je ne peux plus trop en rajouter. Si j'en rajoute, je ne peux plus choper. Ouais, parce que moi, l'idéal, c'est quand même de pouvoir faire ça, ça, et de pouvoir sortir mon paquet. Ouais, et ça, vous voyez comment c'est serré déjà? Et voilà, et si je prends tout un paquet et que j'essaye de le mettre là-haut, c'est là-haut que c'est trop serré. Enfin bon. Donc voilà, donc de ce côté-là, du côté gauche, on a toutes les affinités. Du côté droit, j'ai mis ici. Alors ça, c'est moi qui les ai imprimés perso. Ce sont les cartes aléatoires. Voilà, quand je veux faire un tirage aléatoire, j'ai mes cartes de tirage aléatoire. Ça, c'est plutôt cool aussi. Donc ça, c'est dans ma vidéo que j'ai faite aussi
dans la vidéo que j'ai faite, où j'ai fait tout, où j'ai expliqué, où j'ai montré toutes mes créations, j'ai mis les liens d'ailleurs. Ici, j'ai mis ensuite en paquet ici toutes les cartes autres. Voilà, donc là, ce sont toutes les cartes. Hein, vous les connaissez, ces cartes. Hein. Les cartes d'identité, machin, etc. Les cartes de deck de chaque identité. Ensuite, j'ai mis... je vous allez rire. J'ai mis toutes les cartes. Voilà, énergie, force et génie qui sont en surplus. Autant vous dire qu'il y en a un bon paquet. Parce qu'en fait, j'en ai gardé, donc dans dans le basique, j'en ai gardé que deux de chaque exemplaire. Je considère que je vais très rarement jouer à plus de deux joueurs à ce jeu. À 3 et 4, c'est très occasionnel. Si je dois y jouer à 3 et 4, je resliverai, j'ai des sleeves, donc c'est pas un souci. Je reprotégerai un petit jeu de 6 et puis voilà, ça sera réglé, mais ça sera très occasionnel. Comme ça, au moins, ça prend déjà moins de place dans la boîte. Elles ne sont pas protégées, on les met ici. Voilà, comme ça, je les ai. Ouais, pour vous dire, on en a, c'est ça, hein, 6 ici, si je ne dis pas de bêtises. 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai mes 6 de prête, sachant que je joue principalement des parties solo. Hein. Après, je joue des fois, on joue à deux parfois. Mais... Et du coup, il en reste 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Voilà, on a 33 cartes en rab. 33 cartes en rab. Donc, 33, qui dit 33, dit 11 de chaque. Voilà, on a 11 cartes de chaque. Voilà. Donc ici j'ai mis toutes mes cartes en rab. Ici je me suis fait une petite carte à la con, bon je l'utilise plus, hein. C'est une petite carte pense-bête que je m'étais mis au début, maintenant c'est rentré. Voilà, avec donc ça c'est le petit intercalaire. Ici j'ai des intercalaires en rab, ça sert toujours. Et enfin ici, les héros. Donc on a Ant-Man, Hawkeye, Spider-Man, Doctor Strange, Captain America, Miss Marvel, Black Widow, Miss Hulk, Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther, Iron Man, Thor et Hulk. Voilà, donc ici on a tous les héros. Donc là il me reste encore un petit peu de place, mais comme j'ai pas envie en fait, là j'aime bien quand c'est thématique, donc j'ai pas envie de tout mélanger, forcément. Voilà, alors maintenant le bijou, vraiment le bijou de cette boîte, c'est vraiment... Vous voyez, cet insert central. Le mec qui a créé ça, franchement, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. On a ici, vous voyez, entre les deux inserts, on a ici ce petit rangement qui est top, quoi. Qui est vraiment top. Ici, on a les quatre... on a les quatre... Hop là Bouletor. Vous connaissez Bouletor? Ça va, heureusement, ça c'est du solide. Ouais, donc voilà, hein. Vous avez compris. Ce sont les compteurs héros. En même temps, je le sentais ce coup. Je le sentais bien ce coup. En même temps, quand tu les sors comme ça, c'est obligé qu'il y ait... Tu vois, ah, je l'ai bien fait. Voilà, donc ici on a les quatre compteurs héros. Il a même fait... Celui qui a créé ça, il a même fait l'emplacement ici pour le petit token premier joueur. Si c'est pas classe ça. Clac. Et ici, le compteur méchant. Et enfin, ici pour les cartes donc d'affinité. Pas d'affinité, les cartes d'état. Voilà. C'est sympa. Hein. Bon, on la sort pas cette boîte en général en jeu. Elle reste ici. Alors regardez ça, c'est classe. Et alors par contre, ça, je le sors. Donc pour ceux qui ont vu mes dernières parties d'Ant-Man, ils ont vu que je le sortais, parce que du coup, ça, c'est vachement pratique. On met en place notre jeu. Ça, on le sort. Voilà, petite boîte avec trois tiroirs. Vous voyez, ça, si c'est pas la classe, dans laquelle on range nos petits jetons. Ça, c'est les jetons dégâts. Les jetons menaces et
les jetons autres et les jetons accélération. Et ça, on le prend, on le positionne en partie. Moi, je pré-ouvre les trois tiroirs. Voilà. Et puis, c'est parti. Voilà. Après, une fois que tout est fini, on le reprend. Voilà. Donc, ça, c'est mon nouveau rangement, ma nouvelle organisation. Vous voyez, ça fait quand même un paquet. Regardez, quand on met tout. Voilà. Voilà. Marvel Champions aujourd'hui jusqu'à la sortie de Ant-Man bien sûr. Donc là il va y avoir la guêpe qui va sortir, il va y avoir Quicksilver, il va y avoir tout ça. La guêpe qui va s'appeler The Wasp, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà mon petit rangement. Alors j'ai imprimé également autre chose, mais je regrette de ne pas pouvoir l'insérer dans une de ces boîtes. Donc là je vais tout refermer. Vous voyez, hop, clac clac, voilà, et vous voyez c'est fini, c'est fermé, on a tout Marvel Champions. La seule, j'ai imprimé une petite chose bien sympathique et je regrette de pas l'avoir comment dire, je ne puisse pas l'insérer dans une de ces boîtes, hein, c'est vraiment le petit regret. C'est la petite surprise de la fin, c'est ce petit rangement, voilà, que je peux mettre en jeu, et que je mets en jeu, dans lequel je range mes petites cartes d'état. Voilà, ça j'aurais bien aimé pouvoir les insérer, les mettre dans une des boîtes, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà, on a fait le tour, et alors elles sont très lourdes, et c'est ça que je voulais faire avec vous en direct. J'ai pris une petite balance. J'ai pris une petite balance. Voilà. Et on va se peser les boîtes. Autant vous dire que elles sont quand même hyper lourdes. Là, je vous dis, il y a du poids. Alors pour la boîte de... attends, on va le recalibrer. Ah c'est bon, il s'est recalibré. Pour la boîte de crâne rouge, elle pèse... Attention mesdames et mesdames. Oh putain, elle fait... Non mais c'est un truc de dingue. On va la mettre comme ça. Elle fait 1,8 kg. 1,8 kg. Vous vous rendez compte? Ouais, c'est même, c'est vrai. 1,820 kg. Non, mais c'est un truc de fou. La boîte de crâne rouge fait 1,8 kg. Quasiment 2 kg. Et la boîte de Marvel Champion. Oh putain, elle est lourde. Elle est lourde. Autant vous le dire, elle est lourde. Attention, elle pèse 3,3 kg. Attends, on va la peser en. Des fois en droite, ça change un peu des fois. Non, 3,373 kg. Plus 1,8 kg. On va dire plus 2, on a 5 kg quoi. On a 5 kg. Ça pèse Marvel Champions. Là on a l'équivalent de 5 kg. Et je peux vous dire que c'est lourd. Voilà. On s'est fait un petit délire à la fin. On a 5 kg de cartes. Bon, avec bien sûr, il y a les inserts, il y a tout ça, mais bon, au moins, hein, on sait que ce jeu en vaut la chandelle. Voilà les amis, petite présentation. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé un meilleur moyen de ranger toutes ces cartes. Et voilà, donnez-moi des idées. Bon, allez, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.